parlé à ta maman dernièrement. Nous évoquions le fait que ça serait bien que toi et moi échangions de nouveau. Donc est venue cette tentative par message pour que nous reparlions. Je me suis dit après tout, après avoir laissé le temps, probablement que tu feras preuve d'attention. Non, n'a pas suffi, je n'ai pas ressenti que t'étais si réceptive. Certes que tu m'aies répondu, voilà une chose positive, mais c'était pas pour autant que ça l'était de façon successive. Puis venu ce moment, je t'ai demandé si tu pouvais venir à mon anniversaire. D'ailleurs, chose qui aurait pu vraiment me satisfaire, vu que ton SMS me démontrait pas forcément que t'étais réfractaire, mais pas non plus aussi que ça allait forcément le faire. Il m'aura fallu que quelques longues heures pour comprendre que la situation était précaire. Pas de réelle confirmation, si ce n'est que cet intermédiaire suit ta mère. Et lorsqu'elle est venue, jeter sans commentaire, j'ai tout de suite compris, ce sera pas de la partie pour samedi. Bonjour mon ami. Bonjour mon ami. Bonjour mon ami. Bonjour mon ami. J'étais si peiné, j'avais une rage explosive. Je désirais tellement que ce moment arrive, qu'enfin je puisse te revoir et par magie que cela redevienne attractif. J'étais si peiné, j'avais une rage explosive. Je désirais tellement que ce moment arrive, qu'enfin je puisse te revoir et par magie que cela redevienne attractif. Quel gâchis que tu es pas paru pour ma 30e bougie en plus. J'avais personne à qui dire ma puce. Durant cette soirée je manquais de tonus, trop de pensées qui fusent. J'avais tellement le blues, je pensais que j'aurais tes news. J'ai vu que t'abuses et que tard le soir tu m'as écrit bonne année famuse. Toi bien, j'ai de suite compris que tu restais avec les tiens. Tu étais sur le point de pulser des liens, parfois d'avoir essayé. C'était pour moi comme une date clé pour te conquérir et déterminer ce que serait l'avenir. Je t'ai même pas vu venir, j'avais des œillères à vrai dire. Au fond on veut y croire, on aspire que ça reparte, que plus rien nous écarte. Hey, qu'on se mette en appart. J'ai dû trop rêver, croyant que tu seras à mes côtés. Hélas, je me suis trompé, tu étais occupé, j'étais plus dans tes pensées. Comme tu disais souvent, les que mais je m'en lassais. Preuve en est, à peine j'ai fauté, et voilà comment tu m'as acheté. Je suis devenu étranger, comme si on s'était jamais rencontré. T'as oublié quand tu me textais, déferlé des je t'aime, avec plein cœur même. Bref, t'en vaut vraiment pas la peine. Ouais, t'en vaut vraiment pas la peine. J'étais si peiné, j'avais une rage explosive. Je désirais tellement que ce moment arrive, qu'enfin je puisse te revoir et par magie que cela redevienne attractif. J'étais si peiné, j'avais une rage explosive. Je désirais tellement que ce moment arrive, qu'enfin je puisse te revoir et par magie que cela redevienne attractif.